Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Happy Mail. J'ai reçu 3 livres de coloriage ainsi que des nouveaux crayons. Donc, on va les découvrir ensemble. Donc, je ne ferai pas plus de blabla. On passe plein bureau tout de suite. Donc, je vais commencer avec les livres. Je vais vous les présenter, hein, comme à l'habitude. C'est des petits livres Amazon. Donc, on va commencer avec le Tiny Kingdom. Ça fait longtemps qu'il est dans ma liste de souhaits. Moi, j'avais découvert ce livre-là sur la chaîne de Johanna Colo qui l'avait présenté. Ça fait déjà un bon moment. Mais bon, je m'étais jamais décidée à le prendre. Puis là, j'ai décidé de le prendre. Voilà. Donc, c'est un petit livre papier Amazon. Hein? Comme je vous l'ai déjà dit et répété, moi, ça me dérange pas. Donc, j'adore les images comme ça dans des petits bocaux. Je trouve que c'est trop mignon. Donc, peut-être que vous le connaissez, mais bon, je vais vous le présenter quand même à chaque fois que j'ai des nouveaux livres. Je vous les présente toujours. Et vraiment, c'est un petit livre tout mignon. Vraiment, j'aime bien. Le papier, il est blanc-blanc. Donc, ça, c'est le fun. J'adore ces images-là, les petites images dans les bocals. Et c'est très nature aussi, mélangé un petit peu avec un effet féerique. Donc, vraiment, un beau petit livre, tout mignon. Et je pense pas que ça va être des colos trop longs à réaliser aussi. Un colo d'un seul côté, on n'a pas de doublon. Donc, on peut utiliser le marqueur alcool. Donc, ça, c'est trop cool. Regardez ce yeux pour lui. C'est toutes sortes de petits animaux. On a un petit écureuil ici. Je le trouve très, très joli. Une ruche. Il est beau, lui, hein? Donc, voilà. Alors, un petit peu à quoi ça ressemble. C'est un univers forêt ferrée, je dirais. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Moi, je l'ai vu souvent sur YouTube. Mais bon, je me suis dit, tant qu'à faire, on va le regarder ensemble. J'adore ces images-là comme ça. Donc voilà, alors là, on arrive à la fin. Ça, je crois que c'est l'illustratrice qui nous met un petit mot pour nous remercier. Et puis, je sais pas si c'est elle, mais bon, ça se termine comme ça. Donc voilà pour le Tiny Kingdom. Et je vais tout vous mettre ça en barre d'infos, hein, si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse. Donc là, vous savez que dernièrement, j'ai découvert les Misfits de White Stag. Et ben je les veux tous. Donc tranquillement, pas vite, je m'en achète un de temps en temps. Et là, bien évidemment, j'ai pris celui à Winter Fantasy. Donc c'est un peu sur la neige et Noël, celui-là. Et vraiment, je vous dis, ils sont super le fun à mettre en couleur. C'est un univers un petit peu magique, mais creepy en même temps. Donc, si vous aimez les films d'horreur, je vous dis, vous allez vous amuser avec ces colos-là. Et ils ont tous un petit nom, hein, comme celui-là, c'est Arctic Mermaid. Une licorne. Mermaid licorne. Je pourrais peut-être utiliser ce colo-là pour vous faire mon tuto glacier. Là, je sais que ça tarde, mais je trouvais pas de colo pour vous le faire. Donc, peut-être j'utiliserai ce livre-là. Drôle de bonhomme de neige, hein? Mais vraiment, moi, je suis rendue à mon 3e colo là, que j'ai fait de Misfit et vraiment, j'adore. Je suis trop contente d'avoir découvert cet artiste-là. Donc, je vous montre ce qu'il y a dedans. On a des images un peu plus simples si on veut s'amuser à faire des fonds. Regardez les bonhommes d'épices, ils sont drôles, ils sont toutes fondues, on dirait. Je sais pas où ils ont été mangés. Ça, c'est un fantôme, d'après moi, avec la transparence ici. Donc, ça va être le fun de venir faire les petits effets fantomatiques. Un Yeti licorne. Et moi, j'aimais beaucoup cette image-là dans le livre. Les petites cannes de bonbons toutes brisées avec un effet neige. Je pense que ça va être vraiment beau à mettre en couleur. Une fille gelée. Un autre effet glacier. Non, vraiment, j'adore cet artiste-là. Donc, voilà pour celui-ci. Donc, celui-là, c'est... Est-ce qu'il y a un autre colo à la fin? Ouais, on a un autre petit colo ici. For my daughter. Pour ses filles, je crois. Let us know. Donc, c'est 25 images, un seul colo. Hein? On n'a pas de doublon. Donc, voilà pour celui-là. Et celui-là, c'est le numéro 10.
Ensuite, je me suis pris le Keeper of Enchanted Forest de Julia River. Vous savez qu'elle aussi, je suis en train de pas mal compléter sa collection. Donc, lui aussi, il est super beau. Et là, je sais pas ce qu'Amazon a fait avec mon livre, mais je vais devoir le mettre. Vous voyez, il est tout courbé, tout croche. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si je vais être capable de vous le montrer, là, mais vraiment, il est tout croche. Regardez ça, il courbe comme ça. Puis en avant, il courbe par là, puis ici, il courbe par là. Je sais pas ce qu'ils font avec les livres Amazon, là, mais vraiment, ils font pas attention, hein. On dirait que je suis trop proche avec ma caméra encore. J'ai bien de la misère. Donc, ça, ben vous savez, hein, je vous en ai présenté quelques-uns dernièrement sur la chaîne. C'est un autre artiste que j'aime beaucoup, que j'ai découvert. Et ben j'essaie, elle aussi, de compléter la collection, mais pas tous ses livres. Hein, juste cette petite collection-là, là, féerique, forêt, là. Donc, ça s'en vient. J'ai presque terminé d'acheter tous les livres de cette... ben, de ce style-là, finalement. Je n'ai toujours pas colorié, mais j'ai bien envie, avant la fin du mois, là, d'aller en colorier quelques-uns. Il y a plusieurs images qui m'inspirent, donc vraiment, j'adore. Et celui-là aussi, il est super beau. Mais ça me dérange vraiment qu'il soit tout courbé. Est-ce que vous voyez la courbe? Il est vraiment bizarre, là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je vais essayer de le mettre en dessous d'une pile de livres. J'espère qu'il va reprendre sa forme parce que c'est dérangeant un petit peu, là. Donc, je continue de vous présenter le livre. C'est vraiment un bel univers. J'ai bien hâte de mettre ça en couleur, voir ce que ça va donner. Des plantes carnivores, ça me fait penser dans Mario Bros. Vous savez, au jeu Nintendo, on avait des plantes comme ça. Et cette image-là, je l'adore. Je pense que ça va être la première que je vais mettre en couleur dans le livre. Et lui aussi, on peut utiliser des marqueurs à colle puisqu'on a un coloriage d'un seul côté. Donc ça, c'est bien. C'est toutes sortes de créatures comme ça avec ben de la forêt, des fleurs. Donc vraiment, moi j'adore. Je trouve ça super inspirant. Lui aussi, est super beau. Ça, c'est beau, mais il y a beaucoup de détails, hein? Peut-être venir utiliser les stylos gel un petit peu. J'aime bien mélanger les stylos gel avec les crayons de bois. Je trouve que ça donne un bel effet. Donc, là, on est rendu au dernier. J'ai la difficulté à tourner les pages tellement que le livre est courbé. Donc, là, en ce moment, j'ai... lui, je l'ai. Enchanted Forest. Brother Grimm, je l'ai. Ça, ça m'intéresse pas, là. Les doodles, ces trucs-là, là, je pense pas les acheter. Ensuite, il y a lui que j'ai toujours pas été voir. You Below Among the Wildflower. Ça semble être dans le même style. Il y a lui que je veux, le Hidden Spirit of Enchanted Forest. Alice au pays des merveilles, je l'ai. Et là, ben, j'ai celui-là. Donc, ben, je pense que j'ai. Il me reste plus grand-chose à acheter pour compléter ma petite collection de Julia River. Donc, je suis contente. Donc, voilà pour ces livres-là. J'avais trois livres dans ce Happy Mail-ci. Et ensuite, je me suis pris une trousse parce que vous avez vu dernièrement que j'avais acheté les brutes fineurs carrées et je n'avais pas de trousse pour les mettre. Donc, j'ai pris une trousse de ces 160 emplacements, ceux-là. Donc, j'ai mis tous mes brutes fineurs carrés dedans. Et il y a d'autres crayons à la suite. Donc, vous avez dit, hein, que j'avais reçu des crayons aujourd'hui. Donc, je vous montre, je me suis pris les Giotto Style Nouveau, les 50 couleurs. Et là, dites-moi en commentaire, est-ce que c'est la gamme complète ou il y en a plus que ça? Je sais pas. C'est la plus grosse gamme que j'ai trouvée. Donc, je les ai testés un petit peu. Dans quoi je les ai testés? Attendez, je vous montre. Où est mon Clara Markova? Ah, il est resté en bas. Non, attendez. Justement, dans les Misfit, je les ai utilisés. Donc, pour ce colo-ci de Misfit, je les ai utilisés pour faire le colo. À part la mer, là, bon, ça, c'est de l'angle distress, mais je suis venue retravailler un petit peu au crayon style nouveau. Le personnage, à part la peau que j'ai fait au brut funeur, le reste, c'est Giotto Style Nouveau. Donc, ben ils sont bien, mais vous allez voir que c'est pas un nuancier vraiment unique, parce que je vais faire le nuancier avec vous.
Je vais vous les présenter pour commencer. Donc, c'est 50 couleurs. Et là, dites-moi en commentaire, est-ce qu'il y en a plus que ça? Je sais pas où c'est la gamme complète de 50. Parce que j'ai pas trouvé sur Amazon Canada. Donc, je vous présente le crayon. Voilà. Il est comme ceci, d'une forme octogonale. C'est écrit Giotto Style Nouveau. Vous avez une couleur et un numéro. Donc, pour les aiguiser, ça a super bien été. S'aiguise super bien. Glisse bien sur le papier. Ils sont pas extrêmement gras, mais ils sont pas non plus très très secs. Mais ça semble être une mine quand même assez dure. Donc, je pense pas que c'est des crayons qui vont passer vite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le nuancier ensemble pour que vous puissiez voir les couleurs. Et ben, comme je vous ai dit, c'est un nuancier, je dirais... c'est un nuancier ordinaire, peut-être. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je sais pas. Il n'y a pas vraiment de couleur que je me suis dit, ah, ça, j'ai pas ça dans mes autres gammes de crayons. Mais bon, je suis contente quand même de les avoir. Il me restait de la place dans ma trousse, il fallait que je la remplisse. Donc là, je me suis pas imprimé de nuancier, hein. Je vais juste le faire comme ça sur la feuille pour vous montrer les couleurs. Donc on a 4 couleurs fluorescentes et 2 couleurs métalliques dans le lot. Donc là, je vais vous envoyer en musique. Et là, tant qu'à faire le nuancier avec vous, vu que c'est juste 50 couleurs, je vais écrire mes numéros tout de suite parce que je vais le garder, le nuancier, parce que des fois, je fais des nuanciers, puis là, je les refais 2 fois, puis c'est long. Fait que je vais le faire avec vous. De toute façon, je vais vous faire l'avance rapide, hein, donc ça va être moins long. Donc, on va commencer tout de suite. Bon, là, je les ai pas vraiment placés non plus en ordre de couleur. Je les ai mis dans ma trousse comme ils venaient. Donc, je vous laisse découvrir ça en musique. Thank you.
Donc, voilà ce que ça donne comme nuancier. Là, comme vous avez pu voir, je les remettais pas dans la trousse. Je sais pas si vous les voyez, mais ils sont tous là à côté de moi parce que je veux les replacer. Parce que moi, je l'avais pas vraiment placé, ma trousse. Là, je les ai mis comme ça quand je les ai reçus. Mais bon, comme je vous dis, c'est pas vraiment des couleurs uniques. Hein. C'est toutes des couleurs qu'on peut retrouver dans nos gammes. Peut-être celui-là qui est un petit peu différent. Mais sinon, le reste, là, je dirais que c'est pas mal toutes des couleurs qu'on peut retrouver dans nos autres gammes de crayons. Mais quand même, moi je trouve que c'est des crayons de quand même de bonne qualité pour le prix. C'est pas des mines qui s'écrasent, donc ça peut être le fun pour venir faire, bon vous savez, des petits traits comme ça. Donc bon, là il est pas super bien aiguisé. Mais en plus, je suis restée surprise parce que, comme vous voyez ici, on a les deux métalliques, donc on a le doré et le argent. Et ils sont super gras et habituellement, ces crayons-là, moi je les trouve secs. Mais quand même, ils sont quand même bien gras. Et comme je vous dis, bon, c'est pas des Prismacolors, mais ils sont crémeux, mais pas trop, juste assez. Donc, ils se mélangent super bien aussi. Donc, je vais faire des tests avec vous. Là, je vais garder ça parce que ça me donne pas de le recommencer, mais il sera plus placé comme ça. Je vais les placer mieux que ça dans ma trousse. Donc là, je suis allée chercher mon célébration hein, pour vous montrer. J'ai fait un petit... il est pas terminé, mais j'ai fait celui-là. Derrière, je voulais les tester sur le papier de Clara Markova. Ils vont bien. Bon, j'ai pas terminé, je vais le terminer plus tard, mais j'ai contourné quand même avec du Posca. Pas les crayons les plus pigmentés que je connaisse, mais bon, ils sont pas chers. Et si vous êtes comme moi, que vous aimez avoir plusieurs gammes de crayons, que vous aimez tester des nouveaux crayons, ben moi, je vous les recommande parce que c'est quand même des crayons de bonne qualité. Et malgré leur forme octogonale, ils s'aiguisent bien. Donc là, on va se faire un petit dégradé. Je vais vous montrer comment ils se dégradent entre eux. On va se faire un petit dégradé de bleu. Le blanc, par contre, je l'aime pas. Je l'ai essayé, puis je l'aime pas. Donc, je les avais dégradés avec moi, tu le dis ou je ne le dirai pas, mon Prismacolor blanc. Donc là, on va tester ça dans un livre de Maria Troll. On va prendre la Nightfall et c'est une édition Gibbs Smith. Donc, j'imagine qu'ils vont bien sur le papier mousse. Je les ai pas encore testés. Je vous le dirai parce que là, je veux pas non plus commencer trop de colo. Parce que je viens juste de presque me débarrasser de mes encours. J'avais 5 encours à faire. Et là, il m'en reste que un, donc j'ai pas trop envie de me repartir d'autres pleins d'encours, là. Je déteste avoir plein d'encours. Donc là, je vais choisir un petit colo pour tester avec vous. Je sais pas si je vais prendre le Maria Troll ou peut-être mon Magic Cool Down. Je pourrais prendre ça. Ouais, je vais prendre mon livre de test, tiens, comme ça, je vais être certaine de ne pas avoir d'encours. Donc, on va tester quand même sur les éditions Gibbs Smith, hein? Et je sais qu'on est plusieurs à avoir ces éditions-là, donc c'est le fun de savoir s'ils vont bien sur ce papier-là. Donc ça, c'est mon vieux livre hein, de Magical Dawn. Vous savez, je l'avais racheté. Donc, je l'utilise souvent pour faire des tests. On va se faire une petite bulle ici qu'on va dégrader. Donc là, je vais y aller. Et là, n'oubliez pas de me dire en commentaire, s'il vous plaît, les amis, est-ce que les 50, c'est la gamme complète ou il y en a plus que ça? Moi, je les ai pas vus, malheureusement. Je n'ai vu que les 50. Et là, j'ai vu qu'il y avait d'autres kits, que c'était des couleurs peau ou des choses comme ça. Donc, dites-moi, est-ce que dans les 50, on a les couleurs peau ou il faut les acheter à part? Je sais pas trop. J'ai pas trop compris comment ça fonctionnait pour avoir la gamme de ces crayons-là. Mais si vous savez, dites-moi en commentaire, les amis. Donc là, je vais commencer avec le numéro 25, qui est le Ultramarine Blue. Et ben je vais faire comme d'habitude. Hein. Je vais commencer mon petit dégradé. Ah ben ils vont bien sur le papier Gibbs Smith. Je les avais pas encore testés sur ce papier-là. Donc, ils vont bien là-dessus. Je les ai testés sur le papier Amazon. Hein, le Misfit que je vous ai montré, c'est du papier Amazon. Je les ai testés aussi dans les Clara Markova. Ils vont bien, mais je dirais que je les préfère sur le papier Gibbs Smith. Ben là, il reste juste mousse à tester, mais bon. Quel crayon ne va pas bien sur les papiers mousse? Moi, en tout cas, j'en ai pas encore trouvé. Je trouve que tous les crayons vont bien sur ce papier-là. Donc, là, on va s'arrêter comme ceci pour la petite bulle. Et là, j'essaie de faire ça bien. Des fois, quand je vous fais des tests,
je fais des dégradés rapides, mais là, je vais faire comme si je voulais vraiment faire ce colo-là. Et il glisse super bien sur le papier Gibbs Smith. Donc, ça, c'est génial parce que moi, la plupart de mes livres, c'est toute cette édition-là. Donc, si ça va bien sur ce papier-là, ça le fun. Et là, est-ce que ça va bien se dégrader avec ça? Je ne sais pas. Je suis pas sûre. Je vais peut-être prendre une autre couleur. Je vais le dégrader avec celui-là. On n'a pas vraiment de petites couleurs pâles. Donc, celui-là, c'était numéro 25. Je vais le dégrader avec le 22, je crois. Ouais, on va le dégrader avec le 22. Et je crois que je vais devoir prendre du blanc par la suite parce qu'après, on n'a pas d'autres couleurs plus pâles. Mais là, moi, je les ai mis dans ma trousse de brut fineur carré. Je vais toujours les mélanger ensemble. Je les ai testés et ils se mélangent bien. Je vais vous le faire le test de toute façon, étant donné que j'ai pas de bleu assez pâle pour compléter ma bulle. On va le compléter avec un brut fineur carré. Donc, vous pourrez voir qu'il se mélange bien avec les autres crayons aussi. Donc, vous voyez, il se mélange super bien. Et c'est pas des crayons très, très chers. Par contre, ça a été quand même assez long avant de les recevoir parce que il me semble que ça venait de la France, ces crayons-là. Et bon, moi, je les ai commandés. Ça a pris 3 semaines avant que je les reçoive. Donc, c'est à peu près ça que ça a pris comme temps. Là, en Europe, d'après moi, c'est beaucoup moins long, mais pour ici, le Canada, là, je vous parle. Donc, voilà. Vous voyez, hein, il se mélange super bien. J'ai pas fait non plus trop de grosses... gros repassage, vous savez que je travaille souvent du couche par couche et là, je l'ai fait quand même assez rapidement et ils se mélangent super bien. Donc, ça, c'est le fun. Ils sont super le fun à utiliser sur le papier. J'aime bien la texture qu'ils ont. C'est pas une mine qui s'écrase. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Je vais dégrader avec un brut fineur carré. Je sais pas si lui, il est plus pâle. Il semble être la même chose. En tout cas. On va essayer de dégrader avec lui. Celui-là, c'est le numéro 38 des bruts fineurs carrés. Et aussi, on a un aiguisoir qui vient avec les crayons et elle aiguise super bien, mais c'est une vraie aiguisoir. Là. Moi, je vais aller passer dans mon DAL 133 et puis ça va bien aller. Mais sinon, elle va super bien la petite aiguisoir qui est fournie dans le petit kit. Ouais, c'est pas même plus pâle, là. Mais bon, là, je vais le dégrader. J'ai pas mon Prismacolor blanc près de moi, donc je vais le dégrader avec le blanc des brutes fineurs. Il est quand même pas si pire, celui des carrés. Donc, voilà pour la petite bulle. Donc, vous voyez qu'ils se mélangent super bien ensemble. Moi, j'ai pas eu de difficulté du tout à les mélanger. Donc, vraiment, c'est une petite gamme intéressante si vous avez envie de compléter une gamme ou... juste d'avoir des nouveaux crayons, tout simplement. Donc, voilà pour ça. Alors là, je vous ai montré des colos que j'avais fait avec. Comme je vous dis, je vais les tester sur du papier mousse parce que là, j'ai juste 2 livres mousse. Et si je commence à tester, ben je vais être obligée de me faire un encours et ça ne me tente pas. Donc, je vais les tester sur un papier mousse et je vous en donnerai des nouvelles. De toute façon, je les mets en barre d'infos si jamais ils vous intéressent. Donc voilà, alors je crois que j'ai fait le tour, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo de Zazou ainsi que sur Instagram, les liens sont en barre d'infos. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.